Salut à tous les amis, c'est Amy et on se retrouve aujourd'hui sur Chivalry Warfare. Oula, ça commence bien. Mon premier kill de cette vidéo. Alors là, c'est totalement la guerre totale. Alors je profite de l'offre de gratuité de Steam pour ce week-end pour tester ce jeu qui m'a fait bien envie. Et c'est super dur. Et je me fais un peu poutrer. Mais je suis pas trop mal dans les classements. Regardez, voilà. Je suis 15 kills pour 17 morts, donc presque un ratio de 1. J'ai découvert le jeu, là c'est ma première partie en multi, j'ai fait l'entraînement, etc. Là c'est la première partie en multi, en free for all. J'essaie de voler des kills là. Ah, toi t'es mort. Et c'est super jouissif, je me demande si je ne vais pas le prendre. Parce que il y a de quoi se faire des bons gros délires. Même si. Ah, même si c'est dur et que ça me fait stresser et que ça demande une concentration de fou. Et que certainement que mon miso va beaucoup baisser parce que là en vidéo ça va être super chaud de garder un niveau aussi excellent que celui que j'avais auparavant. Alors là je joue chevalier. Je crois que je lui ai piqué son kill. Mais bon c'est pas grave, il s'est vengé sur moi. Je pense que c'est bientôt la fin de la partie, il reste 10 secondes. Alors on va faire la suivante, hein, si tout va bien. Oh, je suis arrivé juste derrière lui, peut-être que j'arriverai à faire un dernier kill. Ah, et ben non. C'est lui qui a gagné, visiblement. Il est un peu glitché, mais c'est pas grave. Bon, bon, bon. C'est mon équipe qui a gagné avec un score de 36, presque un ratio de 1 pour un ping de 100. Alors c'est pas trop mal, hein, c'est pas trop mal pour ma première partie. Alors il y a peut-être aussi beaucoup de débutants par rapport à d'habitude, comme c'est une offre gratuite là de Steam. Voilà, donc il y a peut-être pas mal de gens qui sont comme moi des gros noobs à ce jeu. Alors je vais toujours rester en combattant avec glaive et les culs. Ça m'avait plutôt réussi. Oula, pour l'instant ça commence assez mal. Et voilà, je commence par me faire tuer. En tout cas, les environnements sont assez géants. Hein, de ce que j'ai pu voir, bah déjà vous avez vu un peu les vidéos qu'on peut voir un peu partout sur le net. Mais les environnements, c'est vraiment assez sympa. Alors là, j'essaie de l'avoir lui, mais visiblement, j'ai un peu de mal. Mais j'arrive plus à taper. Oula, je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai tué un, je crois, non? Ouais, j'ai tué le mec, là. Bon, bon, bon. Wow, alors, on va essayer de gueuler un peu à la Benzaï, hein. Se faire annoncer. Yeah, c'est vraiment un jeu de gros barbares. Mais c'est ça qu'on aime, et c'est ça qui fait tout son charme. Où je me suis pris un peu des dégâts qui m'étaient pas destinés, je pense. Oh là 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 là. J'avais dit qu'en vous parlant. J'allais commencer. Je veux dire, c'est mon équipe. Mais non, on est en free for all, donc il n'y a pas d'équipe. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Oula. Oh là 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 là. Rien ne va plus. Rien ne va plus, les amis. J'étais pas si mauvais et je deviens de nouveau mauvais. Enfin, j'étais pas si mauvais. Disons que je m'en sortais et là. Oh! On m'attaque par derrière aussi. Alors, forcément, si on commence à m'attaquer par derrière. Fou, fou, fou. En tout cas, c'est physique comme jeu. Oh là là, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. En tout cas, c'est vachement marrant. Ce sera la vidéo bonus de ce mardi. Sur Chivalry, je sais pas encore si je vais débourser la dizaine d'euros du jeu. Bon, là, je me fais un peu... Wouh. Wouh. Ah oui, hop. Alors on va repartir, là l'arène est vachement plus, plus petite, alors forcément. Oh
Oh là 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 là, ils nous ont eu tous les deux, le mec. Deux kills, c'est pas glorieux. Moi, je vous le dis, je crois que je suis dernier. Non, même pas. Il y a des gens d'après moi, apparemment. Heureusement, hein. Oh là là, il m'a empalé sur les... Il m'a empalé sur les... le mur derrière. Oh, les amis, quel jeu. En tout cas, on comprend quand on y joue un peu l'engouement qu'il peut y avoir sur ce jeu, parce que c'est vrai que... Alors, les environnements sont vraiment top. Les combats sont très dynamiques. Je prends par derrière et je vais quand même réussir à me faire tuer. On ne voit plus rien là, c'est totalement le gros bazar. C'est un peu dur à suivre là par contre. Je préférais l'autre carte. Là, c'est... il y a un peu trop d'ennemis de partout. J'ai un peu de mal à m'en sortir. Ah là là, faut que j'arrive à me servir des feintes un peu mieux parce que là. Ah, c'est bête parce que la dernière partie, j'ai fait vraiment. Ça, c'est voilà, c'est l'effet film. Hein. La dernière partie, j'avais fait une partie qui était pas trop mauvaise, en tout cas par rapport à mon niveau. Et là, je me fais défoncer de tous les côtés. Oh, regardez-moi ça, 12 morts. Ça va pas être très intéressant à regarder, je suis désolé. On essaiera de faire mieux à la prochaine. Au moins, vous pouvez regarder les gens qui jouent mieux que moi. Oh là 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 là, pourtant j'arrive à le toucher, vous voyez. Je me tâte, hein. C'est peut-être parce que je crie pas assez, je crois, c'est pour ça, faudrait que je gueule un peu plus derrière mon écran. Tu parles. Là, c'était vraiment le bon moment pour faire ça. Ah, j'arrive à les toucher, mais je vais pas jusqu'au bout de mon intention. Score de 4, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Peut-être pas partir avec la vieille petite dague, hein. Peut-être quand même y aller à l'épée. J'essaie de trouver un mec isolé. Oh, c'est bon, j'ai fait mon kill. Ah, j'en ai fait 2. J'ai rattrapé la 4. J'ai remonté dans le score. 8 points. Bon, j'ai pas gagné la partie. C'est pas encore être ma première victoire pour autant. Mais on s'améliore petit à petit. Alors il faut être vachement concentré, hein, parce que effectivement ça prend une... C'est assez réaliste, entre guillemets, dans la manière de jouer avec les armes de corps à corps, etc. Mais... Mais le problème c'est que là cette arène est vraiment trop petite, et j'ai du mal encore à gérer tout ce qu'il y a à l'autre. C'était plus simple, parce que là c'était des affrontements 1-1, alors que là on est vraiment dans des affrontements à plus, donc... Je vais essayer de me faire un archer là. Pas être trop dur de se faire les archers. Pouf! Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, parce que moi j'étais très étonné de voir comment ça fonctionne par rapport aux attaques. En fait, vous avez le clic gauche qui permet de faire des attaques comme ça. Quand vous mettez la molette vers le bas, ça fait des attaques comme ça. Et vers le haut. Les attaques piquantes comme ça. Ah là là. Et lui, il m'a encore eu 5 kills. Je sais pas où j'ai fait le cinquième, mais 19 morts. Autant la dernière fois, j'étais bien. J'ai dévoré un succès. C'est certainement celui pour dire que je meurs beaucoup. Alors lui, il est AFK. Alors c'est un peu de la triche. Et en plus, si on me prend dans le dos, c'est pas vraiment fair play, les copains. Hein? Mais c'est assez jouissif, hein, comme jeu, j'avoue. Oh, et là, j'étais en train de parer! Je commençais à rager, là. C'est pour ça que je joue pas au jeu multijoueur. En tout cas, si je l'achète, je vous le dirai. Et puis, bah, on pourra peut-être se faire des parties, hein, à l'occasion. Mais, je vous dis, je suis encore pas sûr de l'acheter. Ah, je veux aller trop vite, je veux aller trop vite. Il faudrait que je me serve plus de mes esquives en plus.
Je sais pas quel bouton c'est pour changer de classe. Je ne sais pas. Bon, tant pis, on est condamné à rester avec cette classe-là. Oh là 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 là, il nous a eu tous les deux. Elle a vraiment des gros boss, hein. Oh, 23 morts. Oh, purée. Voilà, c'est bientôt la fin de la partie. Ah là là. J'en aurais eu 6. Je sais pas si les progrès général, le progrès général monte comme ça. Tiens, c'est bizarre. Je sais pas exactement comment ça s'est géré ça. Voilà. Hop, donc on peut faire des feintes aussi. Quand vous pouvez vous arrêter, c'est vachement complet au niveau du système de combat. J'ai un peu de mal à parler parce que c'est difficile, mais bon, je pense que de toute façon, si vous voulez des infos sur le jeu, vous en trouverez un peu partout. Hein, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui ont fait Benzaï le premier. Oh là, il m'a one-shoté lui avec son marteau. Un truc de fou. Alors moi je sais que j'ai pris le chevalier, donc une unité qui est un petit peu... qui est légère en fait, c'est un peu de l'infanterie légère si vous voulez, qui va être rapide et agile, mais qui à côté de ça... Ah, va-t'en petit archer. Cours, t'as raison d'avoir peur. Il se la joue. Oh, lui encore, mais il m'a one-shot les mecs, il fait de ses dégâts. Et donc qui est vraiment quelque chose de léger, léger. On va faire des petites dashes comme ça. Voilà. Ah, j'ai pas réussi. 8 kills, bon. 8 kills, pourquoi pas. Et c'est Iceman 346 qui a gagné. Bon. Alors ça fait vraiment une petite victoire, une petite vidéo, on va encore se faire encore en free for all, c'est pas mal, ça permet de jouer sans se prendre la tête. Et puis j'ai beaucoup de mal à rejoindre les serveurs, c'est ça qui m'inquiète aussi un peu pour l'achat, parce que j'ai mis bien 10 minutes à rejoindre les serveurs, alors c'est peut-être aussi, soit ils étaient tous pleins, soit ils étaient vides. Donc c'était embêtant, pour rejoindre un serveur plein j'ai eu un peu de mal, ça m'a pris du temps, alors c'est peut-être aussi parce que... je vais racheter chevalier. C'est peut-être aussi parce que bah on est dans un week-end gratuit Steam, donc il y a peut-être plus de monde aussi sur les serveurs. Mais après, bon. C'est vrai que c'est... Ah oui, si je me fais prendre entre deux feux, ça va pas le faire. Et voilà, on commence par une mort pour pas changer les bonnes habitudes. on va essayer de rattraper ça, hein. Là on est sur une carte, j'ai plus l'excuse de la carte. Une carte qui est plus... Hop là, et je l'ai fini par derrière. C'était un peu du vol de frag. Mais pourquoi pas. Ah là là là. Je vais aller trop vite, je ne fais pas attention. Dans le même genre de jeu de combat comme ça, vachement exigeant, pas multi, mais vous avez la série des Mountain Blade. Surtout les deux premiers, Mountain Blade et Mountain Blade Warband. Warband qui est en fait une refonte avec sa lance, là il me fait un peu peur. Ouais, il m'a eu. Je crois que c'est pas lui qui m'a eu, je crois que c'était par derrière qu'on m'a eu. Il me semble. Ouais, c'est par derrière qu'ils sont venus. Alors j'étais dans mon duel épique avec ce lancier. Ça me fait marrer les cris quand même. Voilà, il a rien vu du tout. Tiens. Allez, on va se charger de lui aussi.
Ah, trop tard. Là, j'étais un peu présomptueux. Eh, mais quand même. Quand même, le métier rentre. Le métier rentre. En tout cas, on pourrait penser que c'est effectivement exigeant au niveau de la prise en main, mais c'est relativement intuitif et facile. Et. Ah, j'ai voulu esquiver, mais trop tard. Et finalement, on arrive à faire des choses. C'est pas frustrant, j'entends. Parce que vous voyez, là, ça fait 10 minutes que je joue. J'arrive quand même à tuer des gens, etc. Bon. Et ça rentre assez facilement et assez vite. On arrive facilement à faire des choses. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Parce que moi, j'avais peur que ce soit super complexe, etc. C'est par exemple beaucoup plus facile de jouer à ça que de jouer à un Battlefield. Hein. Par exemple, je suis catégorique. Je sais pas où il était là. Il a dû me contourner. Et c'est. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, je trouve vachement, par exemple, vachement plus facile de prendre ça en main que de prendre de Battlefield 3. Je suis bien meilleur là ici que je peux l'être en moyenne à Battlefield 3, par exemple. T'es en train de parer ton attaque. Ouais. Là j'étais. Bon, je suis bien retombé dans le classement. 4 kills pour cette mort. En même temps, je parle en même temps. Je demande combien de gens jouent à ce jeu-là dans cette partie et parle en même temps. Ah, mon clic droit, ouais. C'est un peu bizarre parce que le clic droit, il faut vraiment le. Il y a vraiment. C'est toute une histoire de timing en fait hein, dans le jeu. Et quand vous vous appuyez vraiment pas au bon moment, bah c'est. Ah, j'aurais dû. Ouais, je sais ce que je. Voilà, en fait, quand vous perdez un duel, vous savez. C'est ça qui fait que c'est pas frustrant, c'est quand vous perdez un duel face à quelqu'un, vous savez exactement pourquoi. Vous savez parce que c'est. Voilà, vous avez manqué de timing, etc. Alors que parfois, dans les FPS type Battlefield, je trouve, bah, vous perdez et vous savez pas trop pourquoi. Alors là, je parle pas parce que j'étais concentré, mais ça m'a pas empêché de me faire totalement laminer. Et j'ai tué personne, j'ai blessé pas mal, mais j'ai tué personne. Alors hop, toi avec ton gros bouclier. Oh, t'as vu cette attaque sauter là? Ouah, il a pas vu le jour lui. Ah, il m'a eu avec son coup de pied. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû le voir venir. Là, ouais. Les coups de pied pour ben, tout simplement percer les. Ah, il m'a eu quand même. Voilà, il y a des bons. Il y en a qui sont super bons sur le jeu. Mais bon, ça reste super fun à jouer, là, je vous dis, au départ, j'étais pas pour l'acheter, parce que je joue très peu à des jeux multijoueurs, comme vous savez, je l'ai vu dans... Ah, comment il m'a eu? Il y a le lag, là, c'est pas possible. C'est le lag, je vous le dis, c'est le lag. L'excuse qui marche sur tous les jeux multijoueurs. C'est le lag. Alors toi, tu vas mourir. Bouh. Comment je me suis fait? Comment il va presque. Ah oui, le clic droit, faut vraiment que je fasse attention parce que j'ai l'impression d'être appuyé. Et en fait, je ne suis pas en train de parer. C'est parce que je crie pas. Quand je crie, ça va mieux. Allez, c'est la course-poursuite. Ah là là, il m'a passé sous le côté. Ouh, ça reste encore assez pitoyable, hein. Moi qui frimais avec mon ratio de 1 au début de partie, là, il y a des pros qui ont rejoint le truc. Ah, c'est pareil. Quand vous... Ouais, c'est assez marrant. Faut s'habituer au système pour parer, là, avec les boucliers. C'est peut-être...
Mieux. Ah tiens, on dirait la basilique Sainte-Sophie, ce truc-là. Bref. C'est une référence. Si mon ami Zazardifi regarde cette vidéo. Je suis en train de cramer là. Qu'est-ce qui me crame comme ça? Ah, j'ai arrêté de parer juste au moment où il est arrivé comme un gros débile. Ah, j'ai quand même fait 6 kills. J'ai quand même fait 6 kills. Bon, après, je pense qu'on progresse bah, comme avec l'entraînement, hein. Ça, c'est évident. Je vais essayer de trouver des mecs isolés. Les avoir en là, genre lui, petit archer là. Oh non, tu m'as pas volé mon kill, j'espère, hein. S'il m'a volé mon kill. Oh, il m'a volé mon kill. Ça, c'est méchant. C'est méchant. Je l'avais vu en premier, archer sans défense. Je deviens mauvais là. Ça va pas le faire. Comment il m'a one shot. J'ai cru qu'il aurait pas le temps de tirer. Et en fait, il a bien eu le temps de tirer. Bon, on teste des trucs, hein. On teste des trucs. Ça marche, parfois ça marche pas. Yada! C'est bientôt la fin. Ah, je t'ai coupé le bras, tu fais moins le malin, hein, parce que qui fait le malin tombe dans le ravin, c'est bien connu. Je sais pas combien j'en ai eu là, mais... Ah, il m'a eu en plein vol! Attends, j'étais en train de sauter pour lui mettre mon épée, genre comme un gros boss. 8, donc j'ai eu les deux. Je suis pas dernier, je pense, hein. Faut quand même que je pense à jouer. Le mec qui regarde le classement. Ah! J'ai paré trop tard. J'ai paré trop tard. Je pense pas que je sois dernier. Non, il y a quand même des gens après moi. Ah, je t'ai volé ton kill! Ah, j'aurais dû esquiver. Oh, c'est super fun ce jeu. Mais je sais que si je l'achète, et je vous fais part de mon conflit intérieur. Si je sais que si je l'achète, je vais y jouer genre 3 fois et après... Oh, comment j'ai trop joué le PGM là. Hop, on a une petite notation sur Facebook. Eh, vous avez vu comment j'ai remonté dans le classement là? 12 kills, j'ai fait 4 kills d'un coup. Wouhou! Je commence à devenir bon là. Je sais que si je l'achète, je vais genre y jouer comme un gros malade. Pendant... pendant... je sais pas... 2 semaines, puis après il va rester dans ma bibliothèque Steam. Pour des années, je vais faire une partie de les 36 comme pour Battlefield 3 ou... J'ai fait des parties hier et ça m'a tellement saoulé que je crois que je suis dégoûté de Battlefield 3 pour le mois à venir. Je fais une partie par mois, je me fais éclater et ça me dégoûte. Enfin, combien de temps ça fait là? 23 minutes, bon allez, on s'en fait encore une. On s'en fait encore une. Ah c'est toujours... J'ai essayé une autre classe, tiens, je vais essayer... Je vais essayer ça. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Ah si, on va prendre la lance, l'épée courte et la hache de G. Allez. Ouh, il y a eu un de ces lags là. Bon, attendez, je vais regarder quel toucher pour touche attribuée, pour changer de classe, parce que... Est-ce qu'il est avec une touche? Ah, comment on fait pour changer de classe? M, ok. Alors forcément, je vais me faire killer parce que j'étais AFK. Alors, M. Ah oui, mais c'est parce que c'est un clair-vie. Alors... je vais partir sur le combattant. Parce que le clavier est en...
en QWERTY, donc pensez-y. Il m'a bien planté deux fois. Le clavier est en QWERTY, donc il faut passer entre... Il faut soit connaître le clavier QWERTY par cœur, ce que je ne sais toujours pas, soit réattribuer vos touches... Oula! Je sais pas par où je me suis fait tuer là. Oh, je me pensais en avoir tué un. Bon, ça va être la partie de la lose. Hein. Cette carte, j'ai vraiment du mal. C'est vraiment trop ouvert pour moi. Oh là 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 là, les amis! Ça y est, le fail m'a rejoint. Le fail m'a rejoint. Au pire, c'est vraiment une partie pourrie, j'en ferai une quatrième et je couperai celle-là au montage, je sais pas, on s'arrangera. Oh, là c'était PGM ce que j'ai fait. Je commence à me la péter, là ça va plus. Oh, j'espère que c'est moi qui l'ai bien eu parce que... Je suis en train de cramer là, non? Un petit peu. J'aime bien faire ça. Oh purée, mais arrivé dessus lui comme un malade. Je l'ai vu là sur le radar, enfin le radar, dans mon coin d'œil là, PAM! En pleine poire. Alors la vue, j'ai pas essayé les autres vues, hein, y a d'autres vues, mais je crois que la vue première personne, ça reste quand même la plus jouable. Hein. Ah mais, ok, je suis en train de frapper sur un mec qui est en train de mourir. Oh, vous savez, 11€, ça vaut vraiment le coup. Hein. À 30€, au prix fort, j'achèterai pas, mais là, à moins 50%, ça vaut vraiment le coup. Hein. Oh, vous aurez la réponse en commentaire, dans la vidéo, si je l'ai acheté ou pas. Ah, je croyais avoir tué, mais apparemment pas. Mais apparemment pas. Ouais, je vous mettrai la réponse si j'ai finalement craqué ou pas. Vous pouvez faire des paris dans les commentaires. Ouh là 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 là, ça dépote. Ça défouraille. Ah, je me suis fait avoir par derrière encore. Oh. Ah là là là. On s'amuse quand même. Enfin, moi je m'amuse en tout cas, je sais pas pour vous, mais... Oh là là, quasiment au moment où j'ai spawn. Bon. En tout cas, en free-for-all, c'est bien parce que ça nous permet de réapparaître assez rapidement et d'avoir quelque chose d'assez dynamique quand même. Puis vous voyez quand même pas mal de... J'arrive à faire 2-3 petites choses malgré tout. Ah, j'ai arrêté de parer au mauvais moment. Je m'approche trop en fait des gens et c'est pour ça que ça va pas. J'en ai tué un là, un quatrième, je sais pas où, je me souviens plus. Mais tant mieux, à vrai dire. On va recrier un petit coup. Oh, le king ! Yala ! Ah, mais si je me fais prendre entre les deux, là, forcément, je peux pas y arriver. Ouh, là, il y en a qui jouent vraiment bien. Hein. Il y en a qui jouent vraiment comme des pros. Ah, là, toi, je t'ai eu. Ah, faut que je fasse attention quand je saute, parce qu'en fait, je peux pas parer directement après, et du coup, je me trouve assez vulnérable. Alors, quand je saute, faut vraiment que je fasse super gaffe à où est-ce que je saute. Ah, je gagne mon duel. Ah là là, il m'a acculé avec ses coups de pied et je pouvais plus rien faire. Pouf. Je m'en sors quand même pas mal, ratio de 0,5. Bon, c'est pas du mode PGM quoi, mais... Ah, je t'ai volé ton kill, t'es deg, hein. Ah, deux d'un coup et... Ça commence à rentrer. Ah ah ah. Oula!
petit lag. Oh, 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 oh. Ça va, ça va. Je commence à m'en sortir. Vous voyez que finalement, on prend la main assez rapidement. Là, ça fait quoi? À peu près une heure de jeu au total. Et j'arrive déjà à faire des choses. Bon, je me fais toujours un peu... un peu killé de partout. Mais globalement, on s'en sort. On s'en sort. Alors, lui qui est AFK, je vais me faire un petit plaisir de... On m'a pas épargné quand j'étais AFK. Ah oui, alors là, forcément, à 3 dessus, ça va être difficile. Mais vous voyez, finalement, je suis pas au bout du classement, je suis plutôt au milieu. Donc, bon. Même avec le niveau noob, on arrive à faire des choses. Je voulais le pousser dans les pics, mais en fait, quand vous... c'est pas un coup de pied que j'ai, c'est un coup de bouclier, visiblement. Comme dès que j'ai un écu, pourquoi pas, après tout. Ah là là, il m'a eu. Il m'a eu. Faut vachement faire gaffe au timing, et c'est super intense, en fait. Ça, c'est vraiment... on s'en rend même pas... On s'en rend compte... Enfin, on s'en rend difficilement compte dans les vidéos des gens, mais c'est ultra intense. Lui, il va sans arme. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Un kill gratuit, je prends. Oh! D'où est-ce qu'il m'a eu? D'où est-ce qu'il m'a eu? Il reste 1 minute 50. Est-ce que je vous en fais une quatrième de partie? Allez, ouais. On va faire une vidéo un peu longue. Mais c'est pas grave, profitez que c'est gratuit sur Steam. Ah mais c'est toujours le mec à AFK, on va peut-être éviter de... Oh toi, tu vas mourir. Y'a pas de raison. Allez, toi là-bas. Ah si en plus on m'arrive dans le dos. Ah, il m'a eu, il a appuyé avant moi. Mais regardez, finalement, je fais pas un score trop dégueulasse. Hein, je suis plutôt dans... Je suis alors 5ème de la partie. C'est ça, et pourtant, je suis un gros noob. Ah, viens là. Ah, je l'ai touché juste derrière. Ah! Ah, il m'est arrivé sur le côté. Ah, je me vide de mon sang. Je meurs. Ah, ça donne vraiment... C'est vrai que c'est vraiment un jeu qui donne envie de gueuler. Il a raison, Benzaï. Voilà. Oh, purée. Laissez-moi tranquille. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Regardez, finalement, vous voyez, je joue pas depuis si longtemps et je suis... Oh, je suis content, je suis pas trop mal classé. Ça se prend vraiment bien en main. C'est super jouissif, c'est simple d'utilisation. Et en même temps, il faut réfléchir. Et c'est pas genre en mode trop arcade. Ouais, tu m'expliques comment tu m'as bousillé là. Bref. Bon allez, est-ce qu'on s'en refait une? Vous vous dites oui, je pense, hein. Le nombre de gens qui m'ont demandé, enfin le nombre de gens, c'est pas non plus exponentiel, mais j'ai bien une dizaine de personnes qui m'ont dit que tu vas faire du chivalry, que ce soit en MP ou dans les commentaires. Bon allez, je peux me permettre d'avoir un peu de mal à l'upload. Pour une vidéo de 40 minutes, on va se faire la dernière. Toujours en chevalier, parce que c'est apparemment la classe qui... Ça va être la classe du noob hein, en même temps, je sais pas, mais c'est la classe qui me réussit le mieux. Je sais pas par contre comment on fait pour débloquer ça. Hop. On verra bien ça plus tard. On reste toujours en mêlée générale. Ah, il m'a eu sur le côté. Il m'a eu sur le côté. Bon, bon, bon. Allez, on a encore 10 minutes pour essayer de...
de jouer du mieux qu'on peut, tout simplement. Oh, comment il m'a one-shot, lui. Oh. Allez, on se concentre. On se concentre. Un petit cri d'encouragement. Toujours regarder un peu autour de soi pour pas essayer de se faire prendre. Oh, comme ça par exemple. Mais le mec avec son marteau, il m'a réduit en bouillie quoi. J'ai même pas le temps de voir. C'était vraiment. On a vu le mon cerveau exploser partout quoi. Ah non! Oh non! Je suis pas d'accord! Je ne suis pas d'accord, je dis non! Bon, si c'est vraiment trop pourri, je vous quitterai avant parce que. Parce que, bon, on va pas non plus me regarder mourir 40 fois. Faudrait que j'arrive à faire des choses. Oh non! Oh non! Mais ça, c'est le lag aussi! Hein? Une seconde de lag et c'est vachement important. Par contre, ouais, je pense que là, le lag peut jouer vraiment beaucoup. Bon, c'est pas une excuse, là, j'ai vraiment joué comme un pied. Hein. Mais ça peut certainement jouer pas mal. Il y en a vraiment qui jouent super bien et j'ai encore tué personne. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je continue de progresser, mais vous, ça va devenir un peu énervant si vous me voyez mourir, mourir et mourir. Donc, allez, on va essayer de se faire un kill et... Ah, l'archer là-bas, il m'a l'air facile à... Oh là là, bon, allez. C'est fini les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo sur Chivalry Medieval Warfare. Je vous dirai donc si j'ai craqué, si j'ai mis les 11,36€ nécessaires à l'achat du jeu après cet essai qui va m'occuper un petit moment, je pense, de mon après-midi. Allez, on termine sur une belle action. Ouais, on a terminé sur un kill. Allez, à cette mort-là, j'arrête. J'ai même un peu de mal à vous quitter, de toute façon. Là-bas, allez, lui, tu m'as vu. Oula, comment il m'a bien... Eh ben voilà. Allez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois pour peut-être un peu plus de Chivalry Warfare si j'achète le jeu, hein, on sait pas, le mardi. Et puis sinon, pour le reste des vidéos de stratégie, comme vous en avez l'habitude. Allez, salut tout le monde.